Un diplomate américain pose pour la postérité devant la présidence soudanaise. Image ordinaire à première vue, mais pour le Soudan, l'événement valait bien son pesant d'or, tant il marque la normalisation des relations entre Khartoum et Washington. John Godfrey, le nouvel ambassadeur américain dans le pays, présentait mercredi en effet ses lettres de créance au général Abdel Fattah al-Burhan, une première depuis 25 ans. En 1996, en effet, les États-Unis avaient placé le Soudan sur leur liste noire des pays soutenant le terrorisme. Khartoum payait ainsi le prix de l'hospitalité accordée au chef d'Al-Qaïda. Dans la foulée, les Américains mettaient la clé de leur ambassade dans le pays sous le paillasson. Le nouvel ambassadeur américain prend ses fonctions dans un contexte marqué par les manifestations pour le retour des civils au pouvoir au Soudan.